Ici Gabi Lenoub du 74, et oui, on se retrouve, mais pas sur Noob Racing, mais c'est pour faire un rewind de 2022. D'ailleurs, si vous voulez savoir, Noob Racing, il a un an ce jeu. Il a eu un an le 11 novembre, et ouais, je l'avais fait quand je me faisais chier le 11 novembre en 2021. Mais voilà, du coup, en fait, vu que j'ai jamais fêté son anniversaire à ce jeu, voilà, mais en fait, là, je le laisse comme ça parce qu'il est en 0.74, mais c'est pas ça. De la vidéo avec Mathis, on est là pour faire pour revoir tout ce que j'ai publié cette année sur YouTube. J'ai publié des bangers, des grosses dingueries, enfin que des pépites et des vidéos qui ont bien marché, avec des lives qui ont bien marché, parce que j'avais fini l'année dernière avec le live de fin d'année. Vous savez quoi, en attendant les gens, on va parler des objectifs que j'ai pas validés sur ma chaîne. Il y en a plusieurs. Il y a, j'en avais plein. J'avais abonné à en faire 111 formats sur les nations, mais ça je vous avais déjà montré le screenshot, j'avais déjà validé. Le giveaway le 6 novembre, je l'ai validé. J'ai pas fait 100 vidéos, c'est bizarre, mais il y a eu que 87 vidéos officielles. Et plus 10 lives, 10 vrais lives, ce qui fait, et donc vu qu'il y a les rediffusions, ça fait 10 vidéos, donc ça fait 97 vidéos. J'ai pas 10 abonnés random sur mon serveur Discord, j'en ai que 3, donc c'est encore un truc pas validé. Donc là on est déjà à 2 pas validés. Les 100 visites sur Noob Racing, c'est validé, ça j'avais déjà validé il y a longtemps. Le Wiki Fandom avec Mathis, on en a fait au moins 2, mais à chaque fois ils ont été supprimés, je sais pas pourquoi. Donc techniquement il était là, tu te souviens, mec, le Wiki Fandom, on y avait travaillé et tout, mais moi j'avais fait et tout, je sais plus si j'avais fait un partage d'écran, mais bon, voilà. Et j'avais vraiment tryhard et à chaque fois il a été supprimé, donc ça me saoule, du coup on va supprimer cet objectif. Le Let's Play Wild West, il y a 2 épisodes, donc c'est bon, il est validé. Hein. Et la difficulté hard sur tel en hobby, en vidéo, ça je l'ai jamais fait vu que j'ai jamais fait de vidéo sur tel. Et le stage 140, alors oui, à la base, il y en a qui vont regarder les anciennes vidéos, ils vont dire mais c'était 150. Ouais, mais en fait, je me suis arrêté à 140 dans le seul difficulté hard que j'ai fait. Donc je baisse à 140, c'est bon, vous n'allez pas me saouler. Parce que ça fait déjà quand même 2 objectifs de pas valider. Et puis, vu que j'ai validé un objectif impossible, c'est bon, j'ai le droit de baisser à 140. Du coup, dans les commentaires, donnez-moi 2 gages que je dois faire. Donc les gens, si vous vous rappelez bien, j'avais commencé l'année, parce que là on parle d'une vidéo, j'avais commencé l'année avec comme j'avais commencé l'année dernière. Bon, mais tu m'as un problème là. J'avais commencé l'année comme j'avais commencé l'année dernière avec une vidéo. Du coup, j'avais commencé l'année comme j'ai commencé l'année dernière avec la fameuse vidéo Islande Royale. Donc cette année, non, je ne commencerai pas avec une vidéo Islande Royale. Ou peut-être que... Non, parce que je commencerai avec le giveaway. Après, il y avait... Ouais, voilà, donc cette vidéo, j'avais vraiment pris du fun à faire parce que Islande Royale, voilà, il y avait un cheater qui faisait sniper à 40 mètres et tout, c'était fun. Il y avait les cadeaux de Noël sur cheaté, si tu te rappelles, Mathis, qui donnait tout le temps des armes légendaires ou mythiques. Enfin, c'était trop bien. Voici un petit extrait du moment où le cheater nous a tué. Ce sera en très mauvaise qualité parce que j'ai la flemme. Vas-y, go. Mathis, attends, mais je me fais tirer dessus par qui là? Aïe! Ah, dans la zone. Aïe! Bon, Mathis, je vais crever, hein. C'est mort. Aïe! Non, mais il me saoule. Pourquoi il m'a tiré dessus? Oh, Mathis. Après, info importante, plus gameplay, Noob Racing, bon, c'est une vidéo nulle, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire dessus. Après, ouais, voilà, on a joué à... C'était notre toute première game filmée de Tower Defense Arena, j'en ai fait qu'une seule, parce que c'est un jeu qu'on kiffait à l'époque. Ouais, en fait, le mode moyen, c'était trop facile, et hard, c'était trop dur. Après, le difficulty Chartobi, le fameux qui m'a validé mon objectif du difficulty Chartobi. Après, 200 trucs sur Noob Racing... Je l'ai validé dans la vidéo Wild West, 800 vues là sur Noob Racing, donc voilà, vous voyez.
capté les 200 avec. Je mets le petit extrait, on a dit qu'on a passé 200, les 200 vues sur nos racing. D'ailleurs, les gens, on a réussi deux objectifs en faisant cette vidéo. Les 100 visites sur Noob Racing. J'en reviens pas. Vous avez été des monstres. Pour la plupart d'entre vous, vous avez été des gros monstres. On a fait les 100 visites. C'est mon jeu. C'est le jeu le plus visité que j'ai fait. Parce qu'il avait fait 200 vues à l'époque, je sais plus combien de centaines de vues. Ça avait monté d'un coup les vues. Après, la fameuse grosse mise à jour de TH. L'énorme mise à jour, c'était la toute première fois que j'utilisais, que je faisais une lumière personnalisée. C'était la toute première fois, mais j'avais fait sur Paint celle-là. J'avais pas utilisé Stack Create. Après, du coup, la Tower Heroes Future Update, qui a fait la première vidéo, techniquement la deuxième vidéo d'horreur, parce que sur mon Spectre, c'est un jeu d'horreur. Mais là, c'était la toute première vidéo avec sur un jeu d'horreur, donc c'est Cult of the Cultist, c'est vraiment un jeu super bien fait. Et 64 vues, ça se ressent aussi, parce que j'avais pas 64 abonnés à l'époque, voilà, c'est vraiment bien. Après, la toute première vidéo, Merguez est revenue, bah, c'est la seule fois où on le reverra, mais en gros, voilà, on avait joué à la base avec Merguez ensemble, et du coup, on avait débloqué la ville en feu, où il y avait un pyromane et tout. Alors que Mathis et Nathan, ils n'avaient pas encore la ville en feu. Voici un extrait où le pyromane a brûlé ma maison. Ou sinon, parce que je me souviens qu'un pyromane avait fait un truc. Mais si j'y ai pas mis en vidéo, il y aura l'extrait de ma fille qui est SDF. Parce qu'il y a un moment où ma fille, elle avait pas de maison, je sais pas pourquoi. Après, il y avait après, c'est sorti la plus grosse, la meilleure vidéo qui a boosté ma chaîne YouTube et tout. C'est comment trouver tous les marqueurs faciles. Sur Find the Marker. Il y a 8 mois, alors pas besoin d'extrait pour ça, hein. C'était juste une pépite de chocolat, tout le monde s'en rappelle, parce que c'est une vidéo où il n'y a pas d'extrait quoi à montrer, il n'y avait rien d'intéressant qui s'est passé, juste première vidéo qui a passé les 1000 vues. Première vidéo qui a passé les 1000 vues. Non, pas la première, je crois. En tout cas, c'est la première à passer les 1000 vues, et ça me fait ultra plaisir. J'étais super content, du coup j'avais validé mon objectif impossible là. Après, il y avait la vidéo du 1er avril pour Tower Heroes là avec la map qui était très bizarre. Après, Tower Defense Simulator de Hongan qui était un peu l'opposé de Tower Defense Arena mais on est nul. Tu vois, parce qu'en fait on a gagné sur Tower Defense Simulator, il y avait Nathan, il y avait Mathis, il y avait un autre monde de fond, je ne sais pas, qui nous a rejoint et qui nous a fait gagner parce qu'il y avait des trucs super cheatés. Après, c'est sorti la plus grosse vidéo qui a le plus. Elle est en top partout sur ma chaîne. Comment trouver presque tous les marqueurs du premier du lama. C'est celle où j'ai reçu le plus de pouces bleus, le plus de pouces rouges, le plus de vues, le plus de commentaires positifs, le plus de commentaires négatifs, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit t'es nul et tout hein, sur la vidéo. Mais elle a quand même fait 2500 vues, c'est what the fuck. Après, comment avoir tous les badges de racing en V0.63. Donc là, on est en V0.74. Après, il y avait On ne veut pas être des jouets, Sartoys, qui était un des meilleurs jeux du monde parce que c'était une usine de noobs en jeu d'horreur. J'avais vraiment kiffé le jeu. Après, il y avait la vidéo où on a le plus rigolé. C'était la vidéo la moins mature de ma chaîne sur Cartic Phone avec avec Nathan, Mathis, Lolo et Juju. On avait fait cette vidéo. Bon, c'était vraiment très drôle. Hein. Il y avait des pépites de chocolat et tout. Mais il y avait le pilote de table basse. Il y avait plein de trucs. Après, Find the Marker 3, c'est du marqueur moyen, 705 vues, voilà, tu connais. Après, on arrive en juin, avec le planning de juin. Ouais, avec le planning de juin, qui a fait 11 vues, une vidéo nulle. Après, j'avais sorti Hobby Island 4 en juin. En juin, j'avais sorti plein de vidéos. En juin, j'ai sorti Hobby Island 4, Find the Tuto Bedouard, le jeu où j'ai donné des Robux. Notre tuto bédoir c'est le cache-cache avec Paul et Mathis. On ne veut toujours pas être des jouets, Find the Marker 4, la vidéo bonus. Et enfin la vidéo importante, début juillet, où je changeais le logiciel de montage. Donc alors on revient sur tout ce que j'ai fait en juin. Une nouvelle difficulté sur Hobby Island, je faisais la difficulté médium pendant que Mathis faisait la facile en parallèle. C'est pour ça qu'il m'a dit beaucoup d'avance. T'étais chez moi, c'était la seule vidéo on a tourné IRL ensemble. Après, il y avait le tuto Bedouard saison 5, ça c'était vraiment une grosse dinguerie cette vidéo.
Après, on ne veut toujours pas être des jouets. Us Are Toys 2 avec Matisse et les deux Nathan, c'est la première fois qu'il y avait le deuxième Nathan. Après, il y a eu tous les marqueurs difficiles. Voilà, pas de marqueurs. Après, c'est des fois importantes. Voilà. Saint-Vincent et les Grenadines, c'est pareil, c'est pas ouf. Après, on a la suite de Wild West, le Let's Play 2. Je pensais que ça ferait mieux, mais c'est pareil. Là, pas un mec plus. Donc, comme quoi, quand le premier épisode il marche, le deuxième il a pas le syndrome du 2. Hein. Après, il y avait le retour sur Victor Plan, c'est pareil, syndrome du 2, ça marche pas. Et du coup, j'attends toujours les 8000 likes pour qu'on fasse l'expérience SDF dans la rue là. Allez, après, il y avait tous les marqueurs de la dimension, la difficulté. Cette vidéo là, elle est plus courte hein, que la précédente. Non, là, toi, elle a fait moins de vues, mais elle est, tu vois, là, un moins de points aussi. Mais pour moi, elle a mieux marché que les marqueurs difficiles. Après, il y a Noob News, objectifs et prochaine chaîne. Bon, ça, c'était nul, mais c'était bien. Enfin, moi, j'avais bien kiffé et tout, j'avais validé des objectifs. Non, après, bon, il y avait vidéo de la TNT War. Ça, c'était le meilleur mode de jeu Bed War. C'est un jeu qu'on avait tryhard avec Mathis pour ce jeu. C'était beaucoup trop fun. En plus, on avait une stratégie qui permettait de presque gagner à tous les coups. Oui, on a gagné 7 fois de suite. C'est énorme. Après, il y avait la vidéo. Si vous commentez toujours, si vous retrouvez la vidéo et que vous commentez, je vais... Ok. Mais ça servira plus à rien. C'est juste pour le référencement. Parce que je la mettrai en public quand je posterai la dernière partie. Après, il y a pourquoi j'ai pas sorti de vidéo récemment. Ça, c'est une vidéo que je vais supprimer. Parce qu'elle sert plus à rien. Après, il y avait deux pros dans Roblox Door vs des randoms. Ça, j'ai trop le seum que la vidéo, elle est buggée. Et que le son est buggé. Enfin, c'était un peu tout buggé dans cette vidéo. Ouais, j'avais trop le seum parce que c'est une vidéo où j'aurais vraiment pu avoir un potentiel, mais je tournais avec OBS. Après, il y avait une vidéo qui est juste une expérience de moi IRL. Bon, ça a pas super bien marché non plus. Hein. Après, bon, bah, il y avait le giveaway des 2 ans de la chaîne. Donc, voilà. Après, il y avait les gens qui s'annoncent pour la fin de l'année que j'ai tourné il y a 9 jours. Tiens. Après, mais joyeux Noël 99. What? Ça n'a aucun sens, c'était sur un foot avec des cadeaux de Noël qui tombent en continu avec une musique très stylée que j'ai mis en fond, que je vais vous aimer. D'ailleurs, si vous voulez, les gens, une autre vidéo, je sais que d'ailleurs elle a fait que 2 likes. Hein, après, il y a eu la vidéo aussi très drôle que vous pouvez aller voir le point de vue de Matisse, d'ailleurs, la vidéo est en la description, c'est le Noël de Matisse sur Gartifone. Bon, ouais, du coup, enfin, le Noël de Matisse sur Gartifone, c'est la vidéo la plus drôle, il n'y a rien à dire dessus. C'est un moment drôle de la vidéo. On se revialer avec un trou de balle. Non mais j'avais écrit. Alors, du coup... Oh non. D'accord. Énorme, il y a pas eu la place. Un arabe qui a peur d'un lit. Quoi? J'ai compris, un arabe qui pleure dans un lit. Non mais t'as compris. Un mec qui s'énerve tout seul chez lui. C'est Mathilde. Ah non, je cherche, il est incroyable. Ah non, il faut que je Non, c'est pas, voici le moment où du coup ton pote l'a fait, comme il l'a dit, que j'étais le maître en dessin. Il a dit, celui qui a dessiné Escargot, c'est le meilleur dessinateur, et juste avant j'avais dessiné Escargot. Les gars, est-ce que je vous fais une référence culturelle ou On s'en bat les couilles. Non mais genre d'un film, par exemple. Oh les gars, laissez-moi faire mes traits de vitesse. Mais en fait, on aussi c'était un quartier fou, mais spécial Noël, mais par rapport à Noël en fait, parce que là on doit faire quelque chose qui n'a rien à voir avec Noël là, ce que j'ai fait. Ouais, moi non plus. John Matisse, j'ai détruit ton nom, désolé. Bah, en vrai, désolé. J'ai écrit M-A-T-H-I-S-E. J'ai rip ta vidéo de Noël. J'espère, s'il vous plaît. Le gars, par contre, qui a dessiné les escargots. T'es un boss, moi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que mec, j'ai rien fait, moi, en fait, sur le jeu. Genre, y'a pas de gameplay, en fait. Ouais, vas-y, allez, on fait le coup ensemble. Together, comme des pires fois. Allez hop, du coup c'était Gavi le Noob et qui vous disent à plus et
bonne année 2028, parce que on revient dans le temps, ça serait 2023, et bonne santé, et puisse le sort vous être favorable, et Mathis, tu te fais manger par un zombie. Et aussi, n'oubliez pas que l'abonnement et la voiture sont ici.